Bon. Ok, il est 20 h. Coucou. Coucou. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Merci. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez pas, vous me dites. Hello girl. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, on va attendre Barbara. Après, on va commencer. D'accord. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Moi, j'ai une belle voix. Je déteste ma voix. Raison pour laquelle je parle presque jamais dans mes snaps. Salut le Gabon. Mettez vos pays en commentaire. Et partagez le live, s'il vous plaît. D'accord? Je suis pas censée parler, j'attends la personne. J'attends Barbara. Merci. D'accord. Mettez vos pays en description, si vous... en commentaire. Oh! Là, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Mettez les pays, s'il vous plaît. Vous mettez les drapeaux. Oh, la Guinée. Coucou. Les Guinéens. Hey, maman, les drapeaux là. Ça va être dur, hein, s'il vous plaît. C'est mieux que vous écrivez sur tous les pays difficiles là. Le Mali, la Côte d'Ivoire. Ah, je dois vous parler de quoi? De moi? On attend Barbara, non? Vous voulez savoir quoi? Oh, le Niger. Oh, sans trafic? Oh, c'est bien. Ça fait plaisir. Le Togo. Congo-Brazzaville. Oh, les Brazzavillois sont là. Le Cameroun, le continent. Oh, je vous ai manqué. Vous allez me retrouver ici chaque dimanche. Et ensemble, on va parler de... La semaine qui est passée, quoi. Tu es devenue plus belle. Merci. Burkina Faso. Ah. J'ai pris du poids. La Guinée. Guinée, quoi. Guinée, Conakry. Guinée, il faut, mec, la Guinée. Il y a beaucoup de Guinée. Burkina Faso, c'est bien. Le Cameroun, le continent.
le continent. La Guinée, le Congo, Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Il faut mettre. On est impatient. Le Gabon, la belle famille. Le Cameroun, le continent. Je suis là. Hello. Guinée-Conakry, d'accord. Non, on attend quelqu'un qui est censé nous rejoindre. Barbara. Ça, c'est la soirée. Barbara. D'accord? Ok, Barbara. Attends. Je sais pas comment on ajoute. C'est Barbara. Ok, Bab. Mais je sais pas comment on ajoute. Vous êtes. Information, voir. Attends, c'est quelqu'un qui est censé gérer ça. Je sais pas gérer. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'hier. Tu peux accepter Barbara? Je sais pas comment on fait. Oui, elle a envoyé la demande. En fait, elle m'a écrit qu'elle a envoyé la demande, mais je ne sais pas où on fait. Ok, qu'elle écrit encore, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Oui. Oui, j'ai vu. Maintenant, il faut juste que je revoie son nom. Oui, je vois. Ok, j'ai vu, c'est bon. Ok, envoie une invitation. Elle va l'ajouter. D'accord. Donc, les filles, les garçons, tout le monde, merci d'être là. Ok, Barbara arrive. Coucou, Barbara. Coucou. Coucou, Barbara. Bonsoir. Pas là où devant, on t'entend pas. M'entendez pas? Non, on t'entend pas. Oui, je sais pas. Je sais pas. Là, c'est bon. Non, on t'entend pas. Le Ghana est là. On t'entend pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. On t'entend absolument pas. Genre, on t'entend un tout petit peu. Je Pas sais pas. vraiment, quoi. Bon, je vais essayer de descendre et remonter Tu peux alors. faire, genre, tu supprimes la page. Donc, tu te D'accord, déconnectes, vu tu que. supprimes, tu renvoies la demande. Ok. D'accord? Ok. Mais comment descendre? Moi, je maîtrise pas Facebook. On t'entend pas. Coucou. Donc, on va parler de l'émission d'hier. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'émission? Qu'est-ce que vous avez aimé? Là, ça bug. Attendez, je vais. Je sais pas comment on fait là. Sais pas. Ok, c'est bon. Allons-y. On va parler de l'émission d'hier. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission d'hier, quoi? On y va. Vous écoutez Barbara? Moi, je n'entends pas. Oui, bien, c'est moi le problème. Vous attendiez bien Barbara? Moi, je l'entendais absolument pas. Oh. Ok. Elle va, je vais refaire avec elle. C'est elle là en haut, non? Oh, c'est elle. J'espère que c'est pas moi le problème. Parle encore. Là, c'est bon, tu m'entends. Voilà, là je t'entends. D'accord. Bonsoir. Bonsoir Barbara, comment tu vas? Ça va? Et toi? Je vais bien, merci. Alors Barbara, ce soir tu es avec nous
Et tu vas donner des réponses aux téléspectateurs qui ont envie de t'en savoir plus sur toi, savoir qui tu es, ce qui s'est passé après l'aventure, ce que tu as ressenti. Donc on va aller pas à pas et tu vas pouvoir nous dire. D'accord? D'accord. Ok. Pourquoi tu as décidé de participer à l'émission? Déjà, c'était pour l'expérience, premièrement. J'adore Oh. l'aventure. Du coup, quand j'ai eu la proposition, j'ai direct accepté. D'accord. C'est tout? Ouais. Ok. Comment tu as réagi quand tu as annoncé que tu as été sélectionnée? J'étais très contente. J'étais très contente de pouvoir participer vu que je regardais beaucoup l'émission, la première saison, je te suivais sur les réseaux. Donc du coup, quand on m'a envoyé le mail que vous avez été sélectionnée, j'étais contente. J'étais contente en fait. D'accord. Et c'était ta première expérience? Ouais, c'était ma première expérience télé. D'accord. Et tes proches ont réagi comment? Bon, ma mère. Je lui ai dit que j'allais participer à une émission. Elle a dit, si tu veux, vas-y. Ils ont assez bien réagi en m'encourageant. Ça va? Ils n'ont pas trop pris ça mal. Ils n'ont pas dit non, Non. qu'est-ce que tu vas aller faire Pas du tout. là-bas? Non, Ok. pas du tout. D'accord. J'ai déjà posé la question, c'est ta première expérience de Oui. télé. Ok. Comment tu as trouvé le premier épisode? Bon, le premier épisode dans son ensemble, j'ai trouvé que c'était très drôle, surtout moi. J'ai trouvé, c'était bien le premier épisode. Ok. Et rien ne t'a surpris, tu n'as pas été choqué par quelque Ouais, chose. je suis surpris, hein. Mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler maintenant, vu que l'émission n'est pas terminée. Ok, et comment tu t'es sentie quand tu es sortie de la voiture? Déjà, j'avais très peur vu que mon entrée était quand même un peu particulière par Ah, rapport aux autres. ça a beaucoup fait parler. Ça a beaucoup fait A parler beaucoup ton fait entrée. parler. C'était en Ouais. fait le but. En fait, moi, je suis juste une personne, j'aime délirer, j'aime rire, je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, du coup, j'ai fait mon entrée. Même si j'ai fait peur au bachelor, mais je suis quand même restée. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là, en fait, de faire cette entrée-là particulièrement? Déjà, c'est un ami à moi. Il m'a dit, ça va aller, tu vas tout casser. Écoute, quand tu vas arriver, ce sera bien, c'est original. Je lui dis, tu penses? Il me dit, oui, ça va. Et vu que j'étais trop stressée, ça n'a pas donné le résultat que ça, je voulais que ça puisse donner, mais ça va, ça va. Tu n'avais pas peur d'être éliminée à cause de cette entrée-là? Parce que, sérieux, c'était un Déjà, gros risque. oui, c'était un gros risque. Mais déjà, moi, je suis quelqu'un, j'accepte la défaite. Quand je Ouais. gagne pas, ça va. Je m'en remets facilement. Donc, du coup, c'était soit ça passe ou ça casse. Mais sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que je reste. Sincèrement. Ouais. Vu qu'il n'a pas réagi comme je le voulais. Tu t'attendais à quelle réaction? T'es trop belle! Oh, mais tu es belle. Merci. Peut-être qu'il ne voulait juste pas crier, tu vois, crier tout haut que haut. C'est qu'on allait voir que tu es son crush, par exemple. C'est peut-être une stratégie. Je te dis Peut-être. pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu peux nous parler de toi? De toi, de tes ex, de tes anciennes relations. Ouais. Vas-y. On a envie d'apprendre à connaître Barbara. Qui est Barbara? Qui est cette fille-là qui a changer le cours du bachelor parce que tu vois, ça a été vraiment changé. Habituellement, il y a des éliminations dans chaque cérémonie de la rose, mais pas ce type d'élimination-là. Tu vois, tu as changé le cours. Je peux dire un truc. Pourquoi c'est normal le fait que je ne vois plus les commentaires? Non, c'est pas normal, mais je sais pas. À un moment donné, tu as bugué, je pense que c'est à cause de ça. Je sais pas Ah, ce que tu peux faire. Mais laisse bon, d'avoir les commentaires, t'inquiète pas. Barbara, c'est moi. Je Ouais. suis une jeune fille de... Bon, je tiens à préciser un truc. J'ai 22 ans. Je prends Ouais. 23 ans dans une semaine. D'accord. Donc, c'est mon âge. Tu es scorpion. Voilà.
Je prends 23 ans dans une semaine. Je sais pas pourquoi Canal a mis 23 ans, mais bon. C'est 23 ans parce que tu es déjà dans l'année, en fait. Voilà. J'ai 23 ans, je suis étudiante, je suis maman. J'ai pas eu le temps de dire Vraiment? ça dans l'émission. Félicitations. Ouais, je suis maman d'une petite fille de bientôt 4 ans. Wow. Tu l'as eu Et assez tôt? ouais, je peux dire 18 ans comme ça. Ok. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Moi, je suis étudiante, j'ai ma vie de maman, ma vie d'étudiante, ma vie d'entrepreneur. Tes ex, tu es encore avec le père de ton enfant ou pas? Non, pas du tout. Des petits trucs comme ça. Ok. Vous êtes séparés depuis ou c'est récent? Depuis. D'accord. Donc, il n'y a rien à savoir sur tes ex, rien du tout et tout et tout. Moi, je n'ai pas d'ex. Ok. À part le bachelor, c'est quoi ton type d'homme? Déjà, je vois beaucoup les gens sur la toile dire que moi, je montais au bachelor quand j'ai fait ma déclaration. Je tiens à préciser que le bachelor est exactement mon style d'homme. Côté Ouais. physique, c'est exactement mon style d'homme. Donc, je n'ai pas menti sur ce point. Quand même, ça, sur ça, je n'ai pas menti. C'est un peu Okay. ça. J'aime les hommes grands, beaux. Les hommes, côté comportement, quelqu'un qui aime la famille, parce que je me dis que si tu aimes la famille, on m'appelle. T'inquiète pas, tu renvoies juste. Côté comportement, je regarde plus si le mec aime sa famille, parce Ouais. que si déjà tu aimes ta famille, c'est que tu vas me respecter et tu vas m'aimer. Ouais. Ok. Et avec qui tu t'es le plus entendu dans la vie là? Je pense que c'était Astrid. Elle était super cool. Astrid. Il y avait aussi Yaya. Ouais. Astrid, Yaya. Je veux dire Angélique. Même si au début, ça n'a pas matché entre nous, mais vu qu'on était dans la même chambre, on était obligés de. Ouais, je vois. Donc, Et il y a c'est tout. pas elle, il y a personne. Bon, les autres filles, on n'était pas assez proches, mais on n'avait pas de problème. J'ai eu des problèmes avec Yaya, je pense, mais personne d'autre. Et avec qui, dans les filles que tu as citées là, le courant est plus passé? Astrid. Ok. Astrid, parce que même après, on a gardé contact, on part toujours, même le matin m'appeler, on est toujours en contact. Ok. Et tu peux revenir sur la polémique autour de ta sortie? Ça intéresse beaucoup les internautes. Moi-même, ça m'intéresse. Tu veux savoir? Ok, je t'écoute. Parle-nous de ta sortie. Comment, Bon, moi, enfin, le c'était. fait que on ait dit que tu étais en relation, que tu étais en couple pendant 2 ans. Et que tu voyais encore le gars, que vous aviez on va appeler ça comment, des projets ensemble. Pour moi, c'était très difficile parce que, contrairement à ce que les gens pensent, cette histoire est vraie parce qu'on me dit que c'était pas la vérité, tout ça c'était un scénario, pas du tout, c'était vrai, j'ai vécu ça. Franchement, c'est l'expérience de ma vie en fait. Donc, j'ai vécu ça assez mal quand je suis sortie de la villa. Même hier, j'ai vécu ça très mal quand j'ai regardé ça à la télé parce que je faisais Ouais. face à la réalité. Ouais. Ça m'a fait très mal. C'est un peu ça, je sais pas quoi dire d'autre. Et c'était vrai, c'était faux. Est-ce que les gens ont envie de savoir si c'était tu venais pour jouer, tu vois, par exemple, est-ce que tu venais dans le bachelor juste pour jouer avec le bachelor, comme Yaya a dit, juste pour la visibilité, ou c'était vraiment sincère? On veut savoir, en fait. C'est pour Côté, cela que savoir j'appuie sur ton élimination, en ok, fait. je tiens à préciser que d'un côté, toutes les filles sont là pour la visibilité, la vérité bonne à dire. Je l'ai Mais toujours dit. Hein. C'est pas comme si je l'avais pas dit, donc je te donne raison. oui, Ok? d'un côté, mais aussi avec ce côté-là, j'avais envie de faire de nouvelles expériences. Pourquoi pas, si le bachelor me plaisait à la longue, si ça peut aboutir à quelque chose, pourquoi pas? Je suis pas mariée. Ok. Donc en gros, tu n'es pas marié et tu as le droit de participer à Bachelor, c'est tout, Bien c'est ça? sûr, ouais. Ok. Et maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de Yaya? Qu'est-ce que tu penses de son attitude? Qu'est-ce que Avant tu as ce soir, ressenti? avant hier soir, Ouais. elle et moi, nous étions en contact. On était en contact.
on s'entendait très bien, mais depuis hier, je l'ai bloqué sur tous mes réseaux parce que j'ai vu son vrai visage. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qu'on ne vous a pas montrées. Il y a des Ouais. scènes qu'on ne vous a pas montrées. Mmh. Donc, et puis, c'est à son avantage, en fait. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées et ça, c'est vraiment à son avantage. Mmh. Et tu peux nous en dire plus parce que quand tu dis que tu as été surpris, vous ne vous entendiez plus. C'est vrai qu'on a vu là, comment tu as demandé les excuses et tout, mais on aimerait savoir pourquoi tu as été surpris si tu savais déjà en fait que vous n'étiez plus amis. Donc c'est quoi qui Non, t'a je dis, vraiment avant surpris? hier soir, on était Oui. amis, mais c'est hier soir que j'ai décidé de mettre fin à notre amitié. Et pourquoi, vu que pendant Parce que l'émission... j'ai vu son vrai visage. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a dit à Clive ce qu'elle a dit, ce que vous avez vu, je suis Ouais. montée à la chambre. Il y a Ouais. même une scène où je pleurais, je pensais qu'ils allaient mettre ça, vu qu'on m'avait filmé dans la chambre et tout, mais ils n'ont pas mis. Ouais. Montée dans la chambre, quand je suis montée dans la chambre, Yaya m'a suivie, Yaya m'a présenté ses excuses. Elle m'a dit que si le bachelor me dit de partir, elle part avec moi. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait ça comme ça, je t'ai fait du mal et tout. J'ai dit à Yaya, il n'y a pas de souci, ça, c'est rien, puisque tu as déjà dit, ça ne sert à rien, le mal est déjà fait en fait. Ouais. Donc, tout est resté comme ça. Mais quand je vois son confessionnal, j'ai froid au dos en fait. C'est comme si on n'avait pas parlé, c'est comme si elle ne s'était pas excusée. Là, Ouais, je j'ai comprends vu mais que quand quand même. elle était venue demander les excuses, c'était pas sincère. C'était vraiment pas Ouais. sincère. C'est vrai que ça fait mal et ça je te comprends parfaitement. Hein. Vraiment désolé, désolé pour toi. Et je pense que c'est pas facile, mais bon. Ce sont les choses qui arrivent. Ok. J'ai encore quelques questions. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux encore demander? Et lorsque tu as demandé les excuses à Yaya dans la villa, c'était sincère? En fait, on vivait ensemble, donc tous les jours, je présentais mes excuses. Elle me disait, non, tu es ma soeur, c'est pas grave, je t'ai pardonné, ça va aller. Et je voulais préciser un truc. Quand j'ai parlé avec Mazarine, Ouais. quand j'ai parlé avec Mazarine, Oui. c'était un truc préparé entre nous, mais qui a mal Oh. tourné. Ouais. Parce que Donc en parfois, gros, avant qu'on ne tourne, tu n'avais pas fait un mal, c'était un truc préparé. oui, Ah, c'était un d'accord. truc préparé, mais qui a mal tourné en fait. Mais je Préparé pense que j'ai par qui? dit, Mazarine et Préparé. moi, avant qu'on ne puisse tourner, on s'est dit, Ah. elle et moi, quand on va tourner pour un peu pimenter l'émission, je vais parler de Yaya et puis tu vas renchérir. Tu vas, en fait, tu vas, je vais parler mal de Yaya et puis tu vas défendre. Ouais, je vois. Donc, en gros, on va dire que tu as un peu été piégé. Ou, je ne Bon, sais je pas comment dirais appeler ça. pas, parce que c'est Tu as été la moi-même qui me victime de la suis. chose. Non, en aucun cas j'étais une victime. Ouais. Mais je dirais pas que j'ai été piégée, mais c'est moi-même. Des fois, tu peux dire des choses que tu penses pas vraiment, et je me suis Ouais. vraiment emballée dans le propos. Ouais, Mais je vois. Mazarine, à la base, c'était pas pour dénigrer Yaya qu'on avait fait ça. C'était en mode, elles vont parler mal de Yaya et moi je vais te défendre. Ah Ça, on a ouais. tourné, voilà. Je vois. Ok. Tu as des regrets aujourd'hui? Ouais, je regrette totalement Regret. d'avoir connu Yaya. Pourquoi? Parce que peut-être que pour elle c'était rien. Pour elle Ouais. c'était rien. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et revoir ça à la télé encore plus. Ouais, je comprends vraiment. J'ai Désolé peut-être pour toi. l'air d'être une personne forte et tout, mais non, je suis très 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 sensible. Et forte. Être sensible et être forte, c'est pas. Tu peux être forte, mais et être sensible. L'un n'exclut pas l'autre. Donc ne te dis pas faible, tu es forte. D'accord? D'accord. Et c'est quoi tes projets, ton actualité? Comment tu vois l'avenir? Pour le moment, rien. Mais on va voir à long terme. Et là, tu es où? Dans quel pays? Ah, je dois dire, je suis au Rwanda. Oui. Tu peux dire, c'est où tu es en fait. Au Rwanda, à Kigali. D'accord. D'accord. Et ça se passe bien, j'espère. Oui, ça va. Ah, tranquille. Et on peut suivre ton actualité ou tes réseaux sociaux.
Mon Instagram, c'est Barbara Afan. Mon TikTok, c'est Barbara Bachelor S2. D'accord. Et tu es toujours en contact avec les filles de la villa ou pas du tout? Bien sûr, plusieurs d'entre elles. Ouais. Elles t'ont soutenu après ce qui s'est passé à la télé et tout? Ouais, certaines m'ont soutenu, d'autres m'ont plus soutenu dans la villa, comme par exemple Winona, c'est un amour, cette meuf. Oui, Nona. D'accord. Et tu es en contact avec qui? Je peux citer les noms. En contact avec Malarine, Winona, toutes les filles en fait, Astrid, Linda, tout le monde, on se suit. Oh, d'accord. Ok. Et j'ai encore quelques questions pour toi. Je réfléchis. Il faut que je cherche les questions. Bon. Qu'est-ce que je peux encore te demander? Bah, si tu as encore l'opportunité de participer à ce type d'émission, tu vas le faire? Je vais le faire, mais Oui. là, je serai plus vigilante parce que je serai plus vigilante et plus je ferai plus confiance. En fait, je ferai plus confiance à qui que ce soit. Je vais juste aller pour moi. Et c'est ça, en fait, si j'ai l'occasion de le refaire. Ok. Maintenant, on va répondre aux questions. Tu vas répondre aux questions on les appelle des téléspectateurs. Alors, veuillez poser les questions, s'il vous plaît. Allô? Hey. Ça va. Alors, on va voir les questions. Exaspéré. Ok, on va voir. Allez-y, les questions, s'il vous plaît. On attend les questions, en fait. Il n'y a pas de questions. Est-ce que tu es toujours en couple avec ton gars? Ton gars. Déjà, on ne m'avait pas demandé si j'étais réellement en couple à T'ai l'époque. demandé, en fait. Je t'ai demandé. Je t'ai demandé si c'était vrai que tu étais en couple. J'ai répondu quoi? Justement, tu as fui la question sans t'en rendre compte. Bon, je ne peux pas appeler ça à être en couple. Ouais. Explique-nous. On veut Passé, connaître. c'est que On veut la comprendre. personne et moi, on s'est fréquenté ici au Rwanda. Ouais. On s'est fréquenté au Rwanda pendant un certain temps et on a arrêté la relation. Et lui, il est rentré à Abidjan vu qu'il travaille là-bas. Ouais. Et désolé, il n'est pas rwandais parce que je vois dans tous mes commentaires le Rwanda, il est ivoirien. Ouais. Donc, du coup, il est rentré en Côte d'Ivoire et on a arrêté la relation. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, on est arrivé à l'hôtel, on était logé à l'hôtel avec les filles et tout. Et ce soir-là, je pense que Yaya et moi, on avait envie de sortir. On avait envie Ouais. de sortir. On ne connaissait personne à Abidjan, on ne connaissait rien Ouais. du tout. Et moi, je l'ai appelé, je lui ai dit tu peux passer nous chercher, on va aller visiter Abidjan et tout. Il a dit il n'y a Ouais. pas de souci. Et j'ai dit à Yaya qu'on ne dit rien à la prod, on part vite fait, on revient. Elle a dit il n'y a Ouais. pas de souci. On est parti manger, on est parti boire en fait. On est revenu, nous a déposé, c'est tout. Ah, donc en fait, c'était une ancienne relation, mais comme il était à Abidjan et tu connaissais personne à Abidjan, tu as décidé de lui demander. Exact. Ok, je vois. D'accord. Ça veut dire. Alors, les amis, elle dit qu'elle n'était pas en couple avec le gars. Donc, ça, Mais c'est un gars ce avec qui fait en sorte qui que on vous a une deviez. relation. Voilà, donc c'est ton ex. Voilà. Ok. Ok, on y va avec les questions. Et les gens demandent si tu vis au Rwanda. Oui, je vis au Rwanda pour le moment. Et les gens demandent ce que tu fais au Rwanda. Je fais des études, je suis étudiante. Ok. Tu peux pardonner à Yaya? Je pense que sur le long terme, oui, mais pas maintenant, franchement. Franchement, pas maintenant, parce que ce qui m'a le plus brisé, c'est en fait son professionnel. Quand j'ai vu hier, parce que la manière qu'elle était avec moi, c'était pas comme ça en fait que j'espérais. Peut-être son professionnel, j'espérais qu'elle puisse dire que je regrette quand même le fait que Barbara est partie Ouais. à cause de moi, mais elle l'a pas fait en fait. Donc du coup, je vais pas rester là à dire que je l'aime, je l'aime. Non, non, non. Je pense que on peut plus être amis, sincèrement. Ça peut plus matcher entre nous. Et les gens demandent si je te reproche rien. Je te reproche de rien. Ouais,
Si, je me reproche du fait d'avoir parlé de Yaya en son absence parce que j'ai tout fait pour que Yaya puisse me pardonner, mais elle n'a pas pu me pardonner parce que dans le long terme, elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle ne m'a pas pardonné. Mais en fait, même là, je veux toujours lui présenter mes excuses que j'aurais pas dû si j'ai débordé. Et moi, quand je faute, je sais Oh, c'est reconnaître. sincère. Oh, ça fait plaisir de demander les excuses malgré tout ce qui s'est passé. Tu as quand même l'humilité de demander les excuses et c'est vraiment très, très grand de ta part. Je lis les commentaires et je continue. Est-ce que je suis tombée amoureuse du bachelor? Voilà. On veut savoir. Non. Est-ce qu'on tombe Non. amoureuse comme ça? On n'a même pas eu le temps. En fait, sa réaction m'a trop surpris. En fait, c'est comme s'il faisait comme si on était trop, 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 trop proches. J'étais étonnée. Genre comme si on était mariés avec trois enfants. Donc, tu estimes qu'il devait réagir, comment il devait faire quoi? Déjà, quand on lance une rumeur sur quelqu'un, tellement j'étais choquée, j'ai même pas pu parler. Et quand je regarde même l'émission, à ce que je dis, je me dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai raconté même? Qu'est-ce que je Tu racontais? n'étais pas encore amoureuse, c'est ça? Est-ce que j'ai jamais été amoureuse de lui, hein? Des sentiments, aucun. Non, non, non. J'ai jamais eu des sentiments. C'est quelqu'un que je voulais apprendre à connaître, mais j'étais pas amoureuse de lui. Amoureuse, c'est trop un gros mot. Ok. Je continue. Les gens ont des questions. Ok. On me demande. En fait, quand je vois les mêmes questions, je passe et tout. Les gens demandent pourquoi tu t'es pas expliqué ainsi avec le bachelor pendant l'émission, quoi. Pourquoi tu n'as pas clairement dit au bachelor, en fait, c'est pas mon mec, c'est juste quelqu'un avec qui j'ai été. Et comme je voulais un peu découvrir la ville, raison pour laquelle je l'ai contacté. Quoi? Déjà, j'étais sous pression, et là, je savais que peu importe ce que je vais dire, je suis pas la plus belle fille de la maison. C'est vrai que quand même, je suis pas vilaine, mais on voyait clairement par qui il était attiré. Donc, malgré ça, je savais que tôt ou tard, j'allais partir. Ah. Je savais que peu importe ce que j'allais dire. J'allais partir. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu insister quand il m'a dit que je veux que tu quittes la villa, je suis direct partie. Parce que déjà, moi, dans la vie de tout le monde, je suis quelqu'un, je n'aime pas forcer les choses. Donc, du coup, quand il m'a dit que tu pars et tout, j'ai dit, ok, je me suis levée et je suis partie. Et après ça, est-ce que tu as trouvé l'amour? Est-ce que tu es avec quelqu'un ou tu es toujours célibataire? Toujours célibataire. Bon, c'est ça. Célibataire. Mais je suis un cœur à prendre. Vraiment apprendre à cœur. Célibataire. Ah bon? On m'a barré. En tout cas, un très beau cœur à prendre. Hein. On Oui, continue toujours avec les célibataire. questions. Est-ce que tu as reparlé avec le bachelor après ton élimination? Bien sûr, la question. On veut savoir. Non. Non, Non? n'a pas parlé. Ok. Je continue. Tu es étudiante en quoi? Relations internationales. D'accord. Quels sont tes rapports avec Zeynep? Zénab. Zénab, on a des bons rapports, on se suit sur Instagram. C'était vraiment une personne qui m'a vraiment soutenue dans la maison. Elle est tellement belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. C'était vraiment une très bonne personne. Celle qui disait que vous connaissez que Barbara aime rigoler, arrêtez de prendre tout au sérieux. Franchement, Zénab, c'est un amour. Ok. Et les gens demandent pourquoi tu as dit à Yaya que tu seras à Kigali avec ton gars. Voilà, je voulais parler de cette histoire. Le Wow. matin, avant Heureusement qu'elle ne puisse qu'il y a venir. les questions. D'accord. Avant qu'elle ne puisse venir balancer la bombe au bachelor, Yaya est venue dans ma chambre. Yaya est venue dans ma chambre. Et le matin, avant qu'on ne tourne, il n'y avait pas les caméras, bien évidemment. Donc, elle est venue. Barbara, ça va et tout, bonjour et tout. J'ai dit bonjour, ça va. Elle me dit, attends, le gars avec qui on est sorti l'autre jour, là, vous parlez. Je dis. Non, tu sais que pendant le tournage, on n'a pas nos téléphones, donc du coup, on ne parle pas.
et tout. Elle m'a dit, il est gentil, il faut parler avec lui. Vous allez vous revoir? J'ai dit oui, sûrement, parce que quand je repartis au Rwanda, il compte venir. C'est fini. Elle est partie au bachelor que moi, je pars au Rwanda avec mon gars. Ok. Dans tous les cas, C'est pas assez en fait. ouais. J'espère que tu as vraiment aimé ton expérience. J'espère que tu vis pas de traumatisme. Et j'espère que ça va. Ça va? Bon, hier, franchement, ça n'allait pas. Je voulais parler à personne. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Parce que le fait de voir ça à la télé et comment les gens vont interpréter ça. C'est Ouais. vrai que je suis pas une sainte fille, mais quand même, l'image de Ok. la trompeuse internationale là, ça me faisait mal en fait. Sache que ça va aller. Tu as pu écrire ton histoire. Tu as une sortie rocambolesque, comme on dit souvent. Mais tout ce qui Ils m'ont pas chômage. arrive, arrive. Tu dis? Ils m'ont pas chassé. Oh, t'inquiète pas, on t'a pas chassé. Il était juste blessé. Donc c'est un peu ça. Au moins, tu n'as pas été éliminé par parce qu'il n'était pas attiré. Tu as été C'est éliminé ça, au parce moins, qu'il y a eu à la un place point. de ce qui s'est Tu passé, peux je te préférais dire. partir le premier soir. Voilà, tu peux te Je dire que préférais partir le premier soir, tu peux te franchement. dire que non, tu peux te dire que ça va, tu as eu une très belle aventure et ça va, c'est une leçon de vie. Alors, Barbara, vraiment merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué, de nous avoir donné plus d'explications et ça fait plaisir. On a pu apprendre à te connaître, savoir que tu es une maman formidable, j'estime, j'espère. Et on te souhaite juste le bonheur, tout ce qu'il y a de beau. Merci. D'accord. Merci. Au revoir. D'accord, Yaya. Tu vas juste Yaya, cliquer. comment? Moi, c'est Barbara. Barbara, désolée. Non, Barbara, pardon, désolée. Vas-y, tu vas cliquer et je vais continuer le live parce qu'il y a d'autres filles que je vais prendre. Attends, dis-moi. Merci. Tu connais? Non, je Tu connais as pas. appuyé sur la croix. Et maman. Il y a une croix. C'est bon? Il y a une croix en haut, je ne sais pas si c'est en haut. Il y a une croix quelque part en tout cas. Tu as vu? Alors, on va accueillir d'autres filles. Non, il faut que je vois les comptes des filles. Ok, donc on va continuer avec d'autres filles. Attends, mais attends, c'est ce qu'il a dit, non? Ah! Je n'ai pas compris. Désolée, je n'avais pas compris. Excusez-moi. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Vous serez avec moi tous les dimanches et excusez-moi, je suis tête en l'air. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. À dimanche. Je sais pas où arrêter de dire.